Voilà, on reprend notre après-midi avec le compte-rendu de ces séances de travail. J'espère que vous avez eu des échanges passionnants, inspirants. Je vais demander tout de suite à Gilliane de l'équipe bleue de venir nous faire un premier débriefing autour de cette question sur la finance durable. Gilliane, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, la question à laquelle on a tenté de répondre, c'est: la finance durable est-elle un variant de la finance mainstream qui l'aide à se renforcer, ou le début d'un nouveau récit de la valeur? Et donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à notre, du coup, à la discussion. C'était vraiment très riche. Et du coup, j'ai proposé à Raïssa de faire un petit, de vous raconter sa petite histoire, parce que j'ai trouvé ça super intéressant, avant de faire le résumé. Alors, bonjour à tous. En fait, moi, je travaille chez BNP Paribas Wealth Management en banque privée. Et je suis pas du tout sur l'ESG ni sur l'impact, mais je suis plutôt du côté offre-produits et développement des relations avec les grands clients. Et en fait, le management nous a demandé il y a 6 ans, 5-6 ans à peu près, de réfléchir avec deux personnes de l'équipe ESG. On a constitué une équipe de 9 personnes avec des profils très différents, de la com, du marketing, de la philanthropie, des experts produits, etc. Nous étions 9 personnes. Et on nous a donné une mission de travailler à temps plein pendant 6 semaines pour réfléchir à comment inclure, comment développer l'ESG au niveau de wealth management pour nos clients privés. Donc, il y avait une équipe de 2 personnes, mais ils voulaient un petit peu faire réfléchir des personnes avec des profils différents pour voir comment aller un cran plus loin. Et ils nous ont dit: n'hésitez pas à think out of the box, en fait, c'était leur expression. Donc, on a beaucoup réfléchi pendant 6 semaines, on a travaillé ensemble, c'était une expérience vraiment très, très enrichissante et très intéressante. Et on est arrivé à la conclusion qu'en fait, il ne fallait pas réfléchir en termes de produits et quelle offre de produits apporter à nos clients pour répondre à la question de l'ESG, mais plutôt de changer la mentalité dans toute la banque privée, en fait. On a dit à notre management: pour nous, si vraiment on s'écoute, nous, 9 personnes, on était vraiment tous d'accord, il faudrait que dans chaque équipe, au niveau des obligations, des actions, l'équipe ingénierie patrimoniale, enfin, toutes les équipes du wealth management doivent, à partir de maintenant, tenir compte de l'ESG, tenir compte de la composante impact dans tout ce qu'ils font dans leur quotidien. Et en fait, idéalement, pour nous, il faudrait que l'on vienne vers les clients avec une offre, avec des produits, avec une façon de réfléchir qui n'est plus uniquement en termes de risque-rendement, enfin, comme on a toujours fait dans le métier de la finance, mais avec une troisième branche qui est risque-rendement-impact. Alors, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, pour mesurer l'impact, tout le monde sait que c'est extrêmement compliqué. C'était déjà il y a 5-6 ans, cette histoire, et ça reste toujours un grand sujet parce que ce n'est pas harmonisé partout. Mais c'est vrai que, voilà, on a enclenché la chose et pour nous, c'était une évidence. Donc, voilà, j'ai partagé ça tout à l'heure avec Gilliane et je te laisse continuer. Merci beaucoup, Raïssa. Donc, pour résumer nos échanges, effectivement, selon nous, la finance durable, eh bien, aujourd'hui, se présente comme une variante, en fait, un variant de la finance mainstream, et l'aide à se renforcer. Pourquoi? Parce que on va dire qu'on met le degré qu'on veut et le curseur là où on veut. Et pourquoi ça? Pourquoi on a cet argument-là? C'est parce que déjà, l'offre va s'adapter à la demande et la demande à l'offre. Donc, les deux vont ensemble. Il y a les acteurs du marché qui vont s'adapter aux clients fortunés et non fortunés. Il y a aussi les institutionnels, du coup, derrière, qui poussent pour les clients plutôt retail. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas une demande. Enfin, le mainstream est tellement fort qu'on ne va pas directement passer à de la finance durable pure et dure. Et les deux vont vraiment ensemble aujourd'hui. Il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui vont devoir et qui s'adaptent maintenant à la réglementation. Donc, il n'y a pas le choix. De toute façon, tout le monde va devoir y aller. La troisième chose, c'est que ça rejoint un peu, enfin, moi, ce que j'ai retenu des premières interventions de tout à l'heure, c'est que c'est un vrai sujet d'intention. Qu'est-ce que les acteurs veulent faire et où est-ce qu'ils veulent mettre le curseur? Enfin, je redis un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Et par rapport à ce que Raïssa disait, c'est vraiment comment on va mesurer cet aspect impact. Donc, la deuxième partie pour nous,
de la question n'est pas très pertinente aujourd'hui. Donc pour nous, ce n'est pas le début d'un nouveau récit de la valeur. Ça va être toujours quelque chose de continu, avec des évolutions en continu. Et donc, d'où le fait que le terme transition va faire tout son sens. Merci. J'espère beaucoup. Qu'on a répondu. Merci, Juliane. Je vais vous proposer maintenant d'accueillir la femme d'action qui est derrière cette question, Geneviève Ferron, cofondatrice et associée de Profil, qui est aussi la fondatrice de la première agence de notation extra-financière. Geneviève, je vous laisse la parole. Alors, la question était un peu taquine, mais il y avait le mot variant pouvait aussi se comprendre. C'est un peu polysémique. Donc, très rapidement, si on regarde dans le rétroviseur, on voit bien que l'acte d'investir, ça suppose bien sûr de la confiance, de la transparence, et puis donc avoir accès à de l'information. Et si vous comparez d'ailleurs les agences de notation financière qui étaient venues sécuriser l'acte d'investissement en donnant une information quant à la solvabilité de tel ou tel acteur, sont des très vieilles dames. Elles ont commencé au début du capitalisme financier industriel, donc il y a plus de 100 ans. Et vous voyez que ces données, ces fameuses données ESG, ou la notation, on va dire, tout ce qui relève du traitement, de la production d'informations ESG, c'est extrêmement récent. Donc, l'avenir nous appartient. Cela étant, c'est récent, mais on peut considérer que ce n'est pas uniquement la prise de conscience des acteurs qui va aider. Il est évident que quand on a commencé, voilà, je parle un peu autant des dinosaures, j'ai toujours cette formule qui, pour ceux qui la connaissent, vous la trouvez un peu usée, mais c'était vraiment ça. Donc, à la fin du siècle dernier, noter les entreprises sur des critères ESG, ça revenait à vendre quelque chose qui n'existait pas, la donnée ESG, à des gens qui demandaient rien, les investisseurs. Donc, il faut quand même que vous vous rendiez compte de ça. Vraiment, la donnée ESG n'existait pas, tout simplement parce qu'il n'y avait aucune pression sur les émetteurs pour la produire. Donc c'était au petit bonheur la chance, des méthodologies de briques et de broc. Et en plus, il fallait, sur les maigres données qu'on récoltait, essayer de faire son miel, et éventuellement d'intéresser... d'intéresser un investisseur, un gestionnaire de fonds. Donc, on était quand même dans une époque où le changement climatique était avéré, l'ONU avait lancé son signal d'alarme, le GIEC était constitué, etc. Donc, il y a eu de la production de normes. Et la production de normes, c'est d'abord la loi NRE 2001, qui a installé le reporting de ces fameuses données, enfin, RSE, ESG. Et c'est là que ça a commencé à se structurer. Mais au fond, je pense que, c'est personnel, mais pendant 20 ans, on est tombé dans un ventre mou. C'est-à-dire que c'est devenu un variant au sens où ça permettait aussi, d'un point de vue marketing, ou pour des raisons effectivement d'intention ou d'éthique, de proposer une couleur différente. On va teinter des fonds thématiques, des fonds ESG, etc. Mais au fond, si je fais un peu brutal, Non, je ne suis pas désolée, enfin, je suis un peu brutale. C'est-à-dire le marché a fait semblant de demander des données aux entreprises et les entreprises ont fait semblant de leur donner des informations. Et donc, on était dans une sorte de posture où tout le monde y trouvait son compte. Les données n'étaient pas spécialement fiables ni très récurrentes. C'est l'essence même des données ESG d'être éminemment qualitative. En plus, quand on fait de l'ESG, on regarde plutôt l'avenir, on a plutôt une vision prospective. Donc, c'est aussi des mentalités différentes par rapport au traitement de la donnée financière. On n'a pas de langue véhiculaire ESG, ça n'existe pas. C'est ce qui m'amène à un point, ce ventre mou. Je me suis dit, mais au fond, ce que je fais de mieux, c'est un variant. C'est pas si mal. Ça a une vocation aussi d'alerter sur ce qu'on voit venir, c'est-à-dire les contraintes physiques. Donc, si on n'y va pas en posant des normes, et ça, je crois que ce sera le sujet peut-être d'Hélène, s'il n'y a pas... Alors, qui pose la norme? Est-ce que c'est le marché qui pose la norme? Est-ce que c'est le législateur, les législateurs? Est-ce que c'est du droit positif? Est-ce que c'est du droit mou? Est-ce que c'est la société civile? Je ne sais pas, mais il est évident que
Tant qu'il n'y aura pas des demandes très fortes de structurer ces données, on restera dans ce ventre mou. Donc, effectivement, ce n'est pas un nouveau récit de la valeur. Donc, ce qui m'amène à peut-être une forme d'interrogation, mais je n'ai absolument pas la réponse, c'est que le bon côté, c'est que la norme est en train de se structurer. Alors, on le voit avec la CSRD en Europe, puisque la CSRD est une demande, c'est une demande des marchés, enfin, une demande des marchés. En tous les cas, c'est la réponse de l'Europe à une interprétation de ce que pourrait être une demande des marchés, parce qu'on a vraiment besoin de fiabiliser cette donnée ESG, de la rendre comparable, interopérable, parce que derrière, il y a des logiques de risque extrêmement fortes qui embarquent des dépréciations d'actifs. Et puis, il y a la Banque centrale européenne aussi qui peut-être se pose des questions sur le rachat des dettes, etc. Donc, il faut vraiment avoir des informations fiables, sérieuses sur les trajectoires carbone des émetteurs et être capable de les interpréter, parce que tous les grands émetteurs du CAC 40 sont net zéro en 2030 sans avoir changé leur modèle économique. Donc, il y a quand même un truc qui ne va pas. Non, mais voilà. Donc, il faut passer au-delà de ça. Donc, il faut aussi que vous, côté financier, vous soyez capable de challenger on est plus d'ailleurs sur des scénarios que sur des trajectoires, parce qu'en fait, on va faire court. Vous regardez l'Agence internationale de l'énergie, vous regardez par industrie qui est on track et off track, et vous voyez qui est dans les trajectoires du GIEC et qui ne l'est pas. Et il y en a beaucoup plus qui sont off que on. Donc, il y a de la donnée pour. Mais à condition de vraiment de faire l'effort d'aller la chercher, de la challenger, de se former. Donc, on amorce via les contraintes physiques, plutôt environnementales, parce que ce n'est pas du tout social. On amorce maintenant on élargit le spectre de l'information finale. Donc, l'extrafi va nourrir l'information financière. Pour autant, encore faut-il que cette langue véhiculaire puisse se pratiquer à l'échelle du globe. Et je terminerai par là, et là, c'est vrai, c'est sûr. La bonne nouvelle, c'est que l'ESG, maintenant, qui était un variant assez aimable de la finance durable, représentait un variant de la finance mainstream. Je pense que quand on regarde aux États-Unis, moi, si on m'avait dit un jour, parce que j'ai commencé ma carrière, enfin, ce qui m'a donné l'idée de créer une agence de notation extra-financière, c'est avoir travaillé 5 ans aux États-Unis dans la finance. Si on m'avait dit un jour que l'ESG serait un sujet politique et que ça serait un sujet de débat présidentiel, je serais tombée de ma chaise. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'entre guillemets, on nous calcule, sans vouloir faire de jeu de mots. Mais c'est le débat est complètement politisé dans le mauvais sens du terme. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Donc, ça nuit à à poser très sérieusement la question de, finalement, la finance est vraiment capable, alors plutôt sur le E que sur le S, mais le E va avec le G. Comment est-ce qu'on est capable de reconnaître les entreprises qui, dans leur gouvernance, posent une intention nature à s'inscrire dans les limites planétaires, si possible le plancher social. Et je pense que ce sujet-là est absolument universel, il est central, et il en va même de l'avenir de la finance. Si je regarde le monde de l'assurance, aujourd'hui est complètement impacté par ces sujets climatiques. Donc, on peut même se poser la question de savoir si, quand il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de vie, il y a des zones blanches qui sont en train de se créer parce qu'on ne pourra pas y vivre, travailler, assurer ça. Donc, on voit bien que ça y est, on rentre dans des lignes de tension où il faut aller dans une production de normes beaucoup plus forte. La question de quelle est la politique ou quel est le consensus politique pour ce sujet-là est une vraie question. En Europe, on verra d'ailleurs si on continue à avancer dans une CSRD volontariste, que l'on part de tous les défauts, ou si on fera une pause, parce que précisément, on va envoyer de la norme trop brutalement et que ça sera un sujet de discorde. Donc, à tout point de vue, ce sujet est un sujet politique. Donc c'était un sujet aimable qui est devenu maintenant un sujet structurant et politique, incontournable. Et donc accessoirement pour vous, c'est un formidable sujet, je pense, de découverte de nouveaux univers, que
que vous soyez dans le donut entre les 12 fondations sociales et les 9 limites planétaires, vous avez de quoi vous occuper sur des logiques d'impact. Merci beaucoup.